What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va donc se retrouver pour encore une vidéo assez particulière. On va parler, on va dire, d'un... Alors en fait c'est assez étrange, parce qu'en fait je pourrais dire un accessoire, oui particulièrement, alors donc bon ça c'est un appareil électronique, en fait on va parler d'un projecteur, mais juste avant je tenais vraiment à vous remercier aussi sur Snap, je le redis, je mets mon Snap en fait en bas de l'écran, vous pouvez m'ajouter tout et je parle globalement à tout le monde, et ça fait extrêmement plaisir et tout, et moi ça me fait extrêmement plaisir, donc on est sur la bonne route, on va dire ça comme ça, puisque c'est donnant-donnant, moi ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir en même temps, donc bah y a pas de quoi arrêter. Et voilà, et donc je vais vous mettre aussi des snaps sur l'écran si vous êtes intéressé de me contacter. Aujourd'hui on va donc parler en fait d'un mini vidéoprojecteur, ils appellent ça Pocket Projecteur. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que pour moi c'est une très bonne idée en fait d'instaurer ce genre de choses, et que ça risque honnêtement, on peut dire en quelque sorte, de cartonner. Même moi honnêtement, ce genre d'appareil ça me tenterait. Voilà, c'est des choses que je pourrais éventuellement acheter dans le futur, parce que je me suis toujours posé la question, bah, j'en ai marre des fois de regarder par exemple des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça sur mon smartphone, et le fait d'avoir un mini projecteur comme ça, eh bien ça peut vraiment répondre, on va dire, à mes attentes, et ça peut être super cool de le mettre en plus grand et puis faire des choses, ou alors par exemple dans des présentations, ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, ou alors dans des domaines un peu particuliers et tout, ça touche un peu tout partout. Mais c'est vrai qu'attention, on va donner les caractéristiques et tout, et c'est vrai que c'est pas, voilà, il y a même des haut-parleurs dedans, je crois que c'est 0,5 watts, c'est pas des trucs, voilà, il y aura pas un son de cinéma, hein, au contraire faut mieux brancher à une enceinte, à un truc comme ça vous aurez un meilleur son. Mais en tout cas, juste l'idée principale de ce vidéoprojecteur est très bonne, puisqu'en fait le vidéoprojecteur en lui-même est très petit. Alors je vais vous donner au niveau des résolutions, c'est 854 x 480, plutôt une taille assez basique, pas super grande, mais en tout cas elle va vous suffire. Je vais vous montrer aussi des images sur l'écran, et c'est vrai que je trouve qu'il a plutôt un design assez assez particulier. Et bon, c'est simple, c'est pas compliqué, et puis voilà, ça a des bonnes petites choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par contre il y a juste une chose assez négative, puisque en fait quelque part, lorsque vous allez allumer votre vidéoprojecteur, votre mini vidéoprojecteur, eh bien il va falloir, lorsque vous allez l'éteindre, en fait il va falloir attendre à ce que la lampe se refroidisse, donc c'est à dire il va falloir attendre un peu on va dire 5 minutes pour que la lampe se refroidisse, et comme ça vous allez pouvoir remettre dans le sachet et puis le remettre dans votre sac, parce que c'est quelque chose d'extrêmement portable, hein, d'où le nom Pocket Projecteur qui a été instauré. Alors il pourra lire des formats, donc JPEG, soit des formats d'images, des formats aussi audio tels que MP3, ou des formats aussi vidéo, MP4, AVI, etc. etc. Comme je l'ai dit, en fait il y a deux haut-parleurs qui sont intégrés, mais 0,5 watts, enfin ça ne servira pas grand chose là-dedans, hein, attention, il y en a, voilà, c'est pas quelque chose vraiment qui servira à grand chose. C'est vrai que c'est un peu de la répétition ce que je suis en train de vous dire, mais quelque part voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus, je vous le dis directement. Il y aura par contre, et ça c'est une très bonne idée, je n'y ai pas pensé moi-même honnêtement, je me suis pas dit que ça pouvait éventuellement se faire, mais en tout cas il y a quand même un stockage interne de 32 Go, soit par aussi, enfin eux ils ont dit c'est un micro SD, alors peut-être que normalement il y a 32 Go disponible par micro SD, et si vous voulez mettre plus 64 gigabits et tout, et bien vous le pourrez, et ça c'est une très bonne idée. Il y a aussi une durée de vie de moyenne de 20 000 heures en LED, donc au niveau de l'ampoule, hein, ça marche comme ça globalement, avec aussi une prise casque 3,5 mm. Et d'ailleurs ce que je me suis dit, c'est qu'en fait si vous avez une double prise jack 3,5 mm, vous allez pouvoir en fait connecter votre vidéo, votre mini vidéo projecteur à finalement à une enceinte, parce qu'il y a des enceintes aussi qui marchent par prise jack 3,5 mm, et éventuellement ça peut tout à fait marcher, avec aussi une batterie qui est intégrée, soit 150 minutes de batterie, soit 2,5 heures, donc c'est pas mal. Et aussi avec un prix, alors ça dépend des personnes, les vidéoprojecteurs, ce qu'il faut savoir c'est que ça coûte très très cher, et que là on le retrouve à 199 US dollars. Alors peut-être que le tarif changera, parce que l'euro normalement c'est pas la même que le dollar, mais je pense pas, enfin en tout cas ça sera peut-être 150 euros, mais je trouve que c'est un très bon prix. Et puisqu'il sortira, il sera disponible au mois de mars, soit ce mois là donc faut voir aussi quelle date il va sortir exactement, mais en tout cas sachez que à la fin de ce mois là vous aurez ce mini vidéoprojecteur qui sera en vente dans normalement certains magasins et tout. Donc je trouvais ça une très bonne idée de leur part et tout, de développer, de construire une chose comme ça, et je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans la barre des commentaires, de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait toujours super plaisir, de me suivre sur Snap, de me suivre aussi sur Facebook si vous le voulez, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.